Et donc salut tout le monde, c'est Mega Pikachu, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de notre aventure sur Pokémon Rejuvenation. J'espère que vous allez toutes et tous bien, pour ma part et bien écouter, ça va très bien. Aujourd'hui, eh bien, nous allons tout simplement poursuivre notre aventure. La dernière fois, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais peut-être pas tout résumer parce qu'il s'est passé plein de choses. Je vous invite à aller voir l'épisode précédent. Mais en tout cas, là, ce qu'on doit faire aujourd'hui, eh bien, il faut absolument sauver Melia parce que elle s'est enfuie suite à les révélations qu'elle a apprises sur son père. Et la Team Xen est après elle, donc il faut absolument la sauver. Problème, c'est que pour quitter la ville, il nous faut le badge d'arène. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner nos Pokémon, parce que j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas été soignés. Hein. Alors, je vous montre. Hein. Je croyais qu'ils étaient soignés par Melia, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Soigne mes Pokémon, toi. Ah non, c'est pas toi. C'est l'autre à côté, là. Hop. Hop. Et voilà. Hop. Je vous remonte la team. Hein. Voilà. Je les ai pas rajoutés au layout parce que je sais pas si je vais les garder indéfiniment. Mais j'étais en train de penser à, par rapport à l'arène. Je vais pas pouvoir faire l'arène. Je pense qu'avec ces deux Pokémon là, hein, même si ce serait l'idéal, parce que bon, c'est un peu pas terrible de les utiliser tous les quatre là, Pokémon obscurs au combat. Mais bon, je pense qu'on va être obligé parce que sinon on va se faire ramasser. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de retrouver, je crois qu'il s'appelle Venom, quelque chose comme ça. Et ok. Hey, que dis-tu d'un second round? Cette fois, je vais gagner. Non, mais je voulais pas faire de combat. Bon, c'est pas grave. Bon, les amis, je pense que j'aurais fait une ellipse parce que on a affronté à peu près les trois quarts des dresseurs de la ville avant de trouver l'arène. Elle est tout au nord et un peu à l'est. Du coup, c'est ce grand bâtiment qui est derrière moi. Je ne sais pas de quel type elle est. Ouais, ils disent juste le nom. Et là, il n'y a pas le type. On ne peut pas lire le panneau. Bon, écoutez, j'aurais sûrement zappé quelques combats, mais notre Poichigeon a évolué en Colombo. Donc ils sont au niveau 20 et 21, et après on a les Pokémon obscurs, que j'espère ne pas être utilisés trop souvent. Mais bon, écoutez, on va essayer de rentrer, et on va voir ce qui se passe. Ok. Oula. C'est quoi cette tête dans le... Ah d'accord, il y a des têtes de Venom partout dans le mur. Et alors là, on passe sous la caméra. On peut aller là? D'accord. Bon, on va essayer de voir le premier mec quand même. Hein. Hey, tu sais comment fonctionne cette arène? Non. Chaque pièce a 4... tanks. Ou réservoirs, non? Ah oui, 4 réservoirs de poison très corrosifs, enfin très toxiques. Tellement toxiques qu'ils peuvent créer des couleurs différentes. Ton job est de mélanger ces poisons ensemble et de créer une nouvelle couleur. Une fois que tu as mélangé les poisons et que tu penses que c'est correct, tu vas devoir interagir avec... l'écran qui se trouve au milieu de la pièce. Si tu crées la couleur qui est la couleur correcte, eh bien le chemin vers la prochaine salle devrait s'ouvrir. Et comment tu sais quelle couleur est la bonne? Eh bien les dresseurs dans l'arène ont peut-être la réponse. Ah, ok. Bon ben ok, c'est parti. Tu te rappelles de moi dans les égouts? Si tu me bats, je te dirai quelle combinaison de poisons tu auras besoin pour cette pièce. Ok, eh bien c'est parti. Niveau 14. Ah, bah très bien, on va pouvoir lui faire Flamèche. Enfin, j'aurais dû faire l'autre attaque, mais bon, ça suffit amplement. Ça a l'air d'être une arène de type plante. Ou insecte, j'en sais trop rien.
En tout cas, c'est très bien pour mes deux Pokémon, puisque j'ai un type feu et un type vol. Ok. Grimmer. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est type poison, donc il faudrait un type sol. Mais c'est pas grave, on va... Ok. Ouais, heureusement que c'est super efficace, mon gars. On va refaire l'attaque. Hop là. Très bien, je te donne la réponse. Vas-y, donne la réponse. Ok, je vais te donner la réponse. Tu as besoin de mélanger certains poisons pour faire la couleur magenta. Alors magenta, c'est du bleu et du rouge, mon gars. Je pense que c'est ça. Hein. Alors attends, comment on fait pour mélanger? Faut se mettre devant. Oui. Et du rouge, je pense. Et du coup, c'est bon ou pas? Oui. Ah, parfait. J'avais raison. Faut réviser vos couleurs. Le bleu et le rouge, ça fait du violet. Et magenta en anglais, c'est violet. Même en français, je crois d'ailleurs. Du coup, Pokémon. Non, pas besoin de les soigner spécialement. C'est parti. Ok. Ah là, il y a plus d'adresses. Pourquoi est-ce que tu m'embêtes? Oh, je vois, tu penses que je connais la bonne combinaison de couleurs de cette pièce. Oh, peut-être que je le sais, mais je te le dirai seulement si tu arrives à me battre. Enfin, je te dirai une des couleurs si tu arrives à me battre. Ok, donc il doit y avoir plusieurs couleurs. Nosferapti. Ok, ça n'a rien à voir en fait, hein. Il n'y a pas de type à cette arène. Ils sont relativement faibles pour l'instant en tout cas, donc ça va. Golbat, ça c'est le bro Golbat, c'est Nosferalto. Ah merde, je suis con, c'est vrai que c'est efficace ça sur moi par contre. Ah, j'ai déconné. Je crois que j'ai des potions quand même. Du coup ça va. Ok. Alors attends, on va le soigner avant de lui parler. Alors, je crois que j'ai des... Ouais, j'en ai... Pas beaucoup, mais j'en ai. Ok, ça suffira. Très bien, tu as gagné. La première la couleur correcte est le orange. Orange? Du rouge et du jaune alors. Ok. Venom est une de mes bonnes amies, ouais. Je ne te laisserai pas la battre. Ok. Ah, très bien ça. Allez. Roue de feu. Alors, hop, en moins. Ekans, c'est type poison. Bien. J'ai plus les noms en France à chaque fois. Ah bon, c'est ça, voilà. Bon, on va réessayer ça. Non, m'empoisonne pas, frère. Non, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool, mon gars. J'aurais dû acheter des objets avant de faire l'arène. Ah d'accord, il ignore mon... Ah, merde! Parce que j'ai trop level up. Oh non! Oh non, 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 non! Ah, faut que j'utilise un reverse bonbon. Oh non! Vous savez, c'est quand vos Pokémon ils level up un peu trop. Du coup, ils refusent de. Bon. Après le combat, on va faire un tour au centre Pokémon, je pense. Hein. Bon, c'est l'avantage des Pokémon obscurs, c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas level up. Oh, laisse-moi passer. Voilà. Oh purée. Donc la deuxième couleur c'est quoi? Le vert.
Ok. Bah écoutez, on va faire un tour au centre Pokémon. Et donc, re les gens, on est de retour. J'ai passé je ne sais combien de temps à chercher des objets dans la ville qui est beaucoup trop grande. J'arrivais plus à retrouver des reverse candy qui permettent de descendre d'un niveau. J'en ai retrouvé cette espèce de petit stand devant une boutique. Je croyais que c'est dans un bâtiment, mais en fait, non. Du coup, on va l'utiliser sur les deux là. Et j'ai également eu un message comme quoi, comment il s'appelle? Finian et Meowth peuvent être purifiés. Je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai beaucoup combattu ou marché avec eux, je ne sais pas comment ça marche du coup. Du coup, voilà, je peux les purifier, je ne sais pas où. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, elle nous a dit la couleur c'était orange et lui, vert. Donc orange, il nous faut du rouge et du jaune. Ça, c'est du vert, ça. Teal. Teal. C'est quoi teal en anglais? Je vais chercher, hein. Je sais pas du tout. J'ai pas envie de faire de bêtises, moi. Qu'est-ce que c'est comme couleur? Teal. Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est du bleu bizarre. Bon, attends, faut refaire. Donc, orange. Donc, première couleur. Comment on obtient du vert? Du vert. J'arrive, hein. Permettez, je connais pas mes couleurs. Ah, mais oui, du bleu et du jaune, bien sûr. Bon, j'ai pas du tout regardé sur internet, arrêtez, vous mentez. Et voilà, je le savais, hein. Bon, arrêtez de me juger, hein. C'est mal. On va enfin avancer. Ah, c'est Venom. Très bien. Donc on va mettre lui en premier, écoutez. Je suis le dernier. Enfin, ouais, le dernier dresseur de cette arène. Cela signifie que je connais la combinaison de cette pièce. Enfin, de couleur. Cela signifie aussi que j'ai reçu le devoir de battre chaque dresseur qui rentre dans cette pièce. Je ne perdrai pas. Mais tu n'es pas Venom? En tout cas, tu lui ressembles beaucoup, hein. Non, mais c'est pas Venom. Ah. Il écrit que ma team est trop nerveuse pour manger des baies. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais quoi, on va switch à chaque fois, une fois sur deux, pour éviter qu'il gagne trop d'XP d'un coup. C'est complètement pourri comme système. Pas ma faute si j'ai trop level up. Je suis empoisonné en plus, mais j'ai acheté deux antidotes aussi, ouais, parce que j'ai racheté quelques objets, notamment des potions. Et voilà. Oh putain, il va level up. Eh bien, j'ai perdu. Alors, les couleurs sont orange, blanc et teal. Je voulais voir si on mettait rien, ça faisait le noir par défaut, mais non. Ah écoutez, c'était une bonne idée. Ça se trouve, c'est le même truc, hein. C'est rouge, vert, bleu, hein. Mais ça se trouve, Teal, c'est pas noir. C'est ça que je comprends pas. Teal, j'ai cherché.
chercher la traduction, écoutez, ça m'embête. C'est du bleu sarcelle. Alors, bleu sarcelle, c'est du bleu très clair. Je pense que c'est du bleu et du vert, du coup. Je vais voir ce que ça fait. Et voilà. Voilà, j'avais raison. Bon, on avance. On sauvegarde, parce que c'est chiant quand même de faire tout ça. Et on va mettre lui en premier. Parce que il va pas level up directement, je pense. Du coup, c'est parti. Et donc, les gens, je me suis fait battre parce que j'ai level up jusqu'au niveau 21. Du coup, j'ai pas pu le combattre. Hein, super. Du coup, j'ai utilisé des reverse candy jusqu'au niveau 19 en espérant pouvoir la rebattre. Hein. Ce serait un peu con quand même que ça m'ait cancel. Je ne pense pas. En plus, ça change son dialogue. Je ne vais jamais perdre contre toi. Ouais, c'est ça, connasse. Je te battais quand je voulais. Jusque sous prétexte qu'il est level 21, je peux pas te battre. Ouais, vas-y. C'est pas grave. C'est quoi cette attaque? Sans déconner. Mais non... J'utilise tes potions, c'est pas grave. Allez, casse-toi. C'était super utiliser des potions. Ah oui, c'est un peu le sel là. C'est un peu le sel en même temps. Cette histoire de putain de concept de level 20 là. Oh putain, ça va être super fort comme attaque, mon gars. Allez, moi aussi je fais des coups critiques. C'est quoi ce Pokémon? Elle a pas envoyé avant. Ah si, c'est le même. Allez. Moi aussi j'ai des potions. Kappa. Ok. Ça t'amuse, mon gars. Tu sais que t'es KO là. Ah putain, ouais, bien joué. Ouais. Alors, ça fait quoi de perdre là? Non, je cherche pas, mon gars. Vraiment con hein, quand même. Bon, moi je reste. Mmh. Hop, petit coup critique. Attaque juste pour le respect. Hop. C'est vipère. Bah tu sais quoi, on va switch. Ah c'est vrai que je suis empoisonné, j'avais oublié. Et elle a dit un truc du style comment ça se fait que tu puisses aller jusque là hein. Par contre ce vipère il fait 3. Enfin il fait 3 mètres là de haut. Ça a aucun sens. Ah parfait, t'es brûlé. Vas-y. Ah, si ça me tue, ça va être rigolo ça.
Ah, c'est rigolo. J'adore ce jeu. Putain, me bute pas, mon gars. Sinon. Oh, je suis pas empoisonné, trop bien. Ça me tue pas. Ça me tue pas. Parfait. Oh, mais what the fuck, hein. J'ai juré si ça me tue par contre. Allez, hop, on t'a battu. Facile. Malgré, on va dire, ton échec, on va dire, même si c'est pas ça, tu es plutôt un bon dresseur. En tout cas, je suis meilleur que toi. On dirait que je n'ai pas pu gagner finalement. Ouais, j'imagine que c'est cool, mais tu le mérites. J'obtiens le badge Cœur de Poison, MDR. Donc Melia est vraiment a vraiment des ennuis, hein? Je suis sûr qu'elle va bien. Elle est plus forte que ce que tu penses. Cependant, on devrait quand même aller l'aider aussitôt que possible. C'est ce qu'il faut faire. Comment dire? Est-ce que ça t'intéresse vraiment de savoir ce qui lui arrive? Genre, est-ce que tu vraiment. Ou est-ce que. Ou est-ce que tu fais ça juste parce que tu es enrôlé dans ce que tu fais partie de. En gros, elle nous demande si vraiment on fait ça pour Melia ou si on le fait parce qu'on nous l'a demandé de le faire, en gros. Ne me réponds pas maintenant, tu me répondras à la grotte améthyste. D'accord, elle va se rendre là-bas. Elle va se rendre là-bas et on devra lui répondre là-bas. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Mais attends, moi je vais retourner moi. D'accord, je suis bloqué. Ok. Ça c'est quoi ça? J'ai pas envie d'utiliser ça, j'ai très peur. Enfin, ça suffit les bêtises. Retour au centre Pokémon, les amis. Ah, d'accord. C'est une bonne chose que. Ouais, c'est le mec du début qui nous a arrêté. C'est une bonne chose que j'ai été capable de t'attraper avant que tu te barres. Venom m'a dit que tu aurais besoin de la CS Éclatroc pour progresser sur la route 2. Apparemment, un gang local a une copie de cette CS. Tu devrais aller les voir et les trouver. Je crois qu'il se trouve dans les égouts abandonnés. Bonne chance. Mais bordel, peut pas me donner la CS tout simplement? Ah, t'es qui toi? Ah, je ne peux pas y croire. Mon expérience a été un succès complet. Si seulement il y avait un dresseur qui avait au moins un badge pour le tester avec pour moi. Oh! on dirait que la chance est de mon côté aujourd'hui. Oh, je vois que tu as au moins un badge. Je me demande. Toi là, dresseur, j'ai besoin de ton aide. Putain, j'ai pas le temps. Ah, en fait, si, mon nom est Docteur Jenkel. Je vais vous dire à quoi il va me servir. Tu vois, j'ai une nouvelle expérience. J'ai une nouvelle expérience à tester et j'ai besoin de toi. Ok, il veut qu'on vienne avec lui. S'il te plaît, juste par ici. D'accord, non, d'accord, ok. Ouais. Oh, what the fuck, non. Est-ce que tu as déjà étudié les des rêves? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Intricacies. Les subtilités des rêves. Est-ce que tu as déjà eu le souhait de retourner, de revenir dans le temps et de refaire quelque chose? Eh bien, en dormant dans ce lit, je peux recréer tes mémoires en des données physiques. Et avec ces données, tu peux revivre les événements du passé et amener les choses du monde des rêves à la réalité.
Tu devrais probablement faire attention, cependant. Tu ne peux pas revivre le même rêve après l'avoir. Ouais, tu peux pas revivre plusieurs fois le même rêve, je pense. C'est peut-être mieux si tu essayes la machine par toi-même plutôt que ce soit moi qui te raconte ce qu'elle fait. Donc, vas-y, essaye. Je veux pas. Je peux me barrer ou pas? Non, je me casse. Mais vous savez quoi, les amis? On essaiera dans le prochain épisode, parce que cet épisode est beaucoup trop long pour moi, même si peut-être que pour vous il va durer 20 minutes. J'en sais rien, je sais même pas combien de temps ça va durer. J'ai un peu de sel dans ma bouche, hein, ma salive est un peu salée, hein, mais en même temps, après tout ce qui m'est arrivé, voilà, hein, vous m'excuserez. Donc qu'est-ce qu'on aura fait dans cet épisode? Eh bien, pour ma part, je serais tombé sur les trois quarts des dresseurs de cette ville qui auront reset. Ça encore, c'est pas très grave, vous voyez, hein, j'ai dû les battre, bon, soit, même si les animations de combat sont un peu trop long, je trouve, mais c'est pas très grave. Ensuite, j'ai passé trois quarts d'heure à essayer de trouver l'arène de la ville parce qu'elle est beaucoup trop grande et qu'il n'y a aucune carte pour t'aider à te dire où est-ce que ça se trouve. Enfin, bref, c'est pas très grave non plus. Je l'ai trouvé et ensuite on a dû battre les dresseurs, plus ou moins, tout ça, tout ça. À revoir les mélanges de couleurs. Bon, ça c'était sympa, c'est pas très grave non plus. Et ensuite, Venom qui me force à faire trois allers-retours. Mais ce qui me casse vachement les couilles, c'est cette espèce de level 20 que j'avais dépassé, du coup. Et que du coup, mes Pokémon ne voulaient plus m'obéir. Hein. C'est un peu relou, hein, on va pas se mentir. Je trouvais plus la boutique pour les bonbons Reverse. Enfin, les bonbons qui vous fait descendre d'un niveau. Enfin, qui vous font descendre d'un niveau. Et du coup, voilà, on a quand même réussi à obtenir le badge. Et là, le docteur Jenkel nous a emmené ici pour tester son expérience. Nous la testerons dans le prochain épisode, même si j'ai très envie de partir. Et du coup, voilà, et je pense qu'il va nous servir à quelque chose parce qu'il me semble avoir lu quelque part que cette personne peut permettre à nos Pokémon obscurs de redevenir normaux. Peut-être, je crois que. Alors excusez-moi, il y a encore mon chien qui m'embête. Cet épisode, c'est terrible. Hein. Donc oui, je crois qu'il peut nous permettre de faire revenir nos Pokémon obscurs à un état normal. Le problème, c'est que je crois qu'on peut l'utiliser qu'une fois avec lui. Si on veut refaire devenir normaux, après, il faudra aller ailleurs. Bref, voilà, c'est sur cette expérience que nous verrons la prochaine fois. Que je vous laisse, les amis. Donc ce sera tout pour cet épisode 10. J'espère qu'il vous aura plu quand même. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Salut!